Bonjour les Dokaniens, bonjour les Dokaniennes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour le meilleur mode de jeu de France, le mode de jeu qu'on préfère. Le Chain Battle versus Super Baby 2. Dans cette vidéo, on va essayer de donner quelques conseils aux abonnés pour qu'ils puissent faire les petits 100 millions. Voilà, tout simplement. Avant de commencer, la VOD comme d'habitude les amis, le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous êtes nouveau, pensez aussi à activer les notifications et rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream sur la chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description les amis. Pour l'instant, je ne peux pas restreamer sur YouTube parce qu'il y a un petit bug quand je stream. Des abonnés se font ban. Voilà, j'ai fait remonter le problème au support et maintenant j'attends une réponse. Donc les gens qui ont été ban suite au précédent stream sur YouTube, c'est pas de ma faute, les amis. C'est pas de ma faute, il y a un bug qui traîne. Voilà. Bon, bref. Pour cette édition, voici mon banc. Pour une fois, je sers à quelque chose sur mon compte global. Ça fait plaisir. Donc, il faut sortir principalement des unités GT Heroes. Ça, une pure. Donc là, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Et tu filtres ici. Hop, GT Heroes. Voilà. Et puis... tu sélectionnes un maximum d'unités qui rentrent dans les critères. Donc ça, une pure et GT Hero. Bon, après, tu peux faire un deuxième filtre comme ça. Mince. Comme ça, comme ça. Et tu mets pure ici. Voilà. Et tu fais correspondance complète. Voilà. Et donc, voilà. Tu as une sélection d'unités qui rentrent dans les deux catégories. Il faudrait une troisième catégorie pour optimiser. Mais bon, le problème, c'est que la troisième catégorie, c'est conquête terrifiante. GT Hero et Sign Pure plus Conquête Terrifiante, ça marche pas ensemble. Donc, faut faire un choix. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, privilégier GT Hero et Sign Pure. Pour le banc extrême, on garde Sign Pure. On va juste virer GT Hero. Et on va choisir Conquête Terrifiante. Conquête, voilà. Enfin, Terrifiant Conquérant, à chaque fois, je... Et puis voilà, on pioche dans des UT 100%, principalement des Vegeta. Voilà, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal, les amis. On est utile. On est utile. Ça arrive pas souvent, mais là, je suis fier de moi. Bon, alors, petite récap visuelle. Merci beaucoup à Pickle Osama d'avoir fait cette belle petite synthèse. En meilleur cogneur, vous avez... le ZTR Tech, vous avez le SSJ4 ZLR Agilité, vous avez le nouveau Goku Tanabata, mais seulement en S. Donc, mieux vaut partir avec l'ancien Full Power SSJ4 qu'avec le nouveau. Et puis, le ZTR Puissance, il a un S. En meilleur connecteur, côté super, le SSJ4 Tanabata, le ZTR Tech. Et puis, tu as les anciens SSJ4. Côté extrême, c'est encore le Vegeta Ozaru, double S. Ensuite, vous avez le Vegeta Ozaru ZTUR. Puis, tu as le Butoden et le ZTUR Endurance. Alors, pour le banc, principalement des Goku Super Saiyan 4. Voilà. Dans leur version, on va dire, éveillée, ce sont les meilleures options. Ensuite, vous pouvez prendre la même version en SSR, mais bon, le problème, c'est que bon, qui garde la SSR ? Qui ? Et tout en bas, en D, vous avez Vegeta, le duo SSJ4, le duo Genkidama GT. Pas foufou, hein. Côté extrême, c'est principalement des Vegeta Saiyan pur de l'arc Saiyan, en fait. J'ai envie de te dire... Hein. Bah en même temps, c'est la période où il est terrifié en conquérant. Donc, Vegeta Tech. Vous avez Vegeta Ozaru ZTUR. Puis, vous avez les versions SSR. N'a pas Vegeta. Pas encore ZLR, mais bon, il est en A. Et puis, le Butoden arrive en B. Vous avez le ZTUR Super Strike. Et puis, tu as la version SSR des deux tout en haut, là. Puis, Raditz tout en bas. Comme d'habitude, Raditz, il est nul, quoi. Ça change pas, les amis. Hein. Raditz, toujours aussi nul, quoi qu'il arrive. Bon, alors, on va voir combien de points les gens ont réussi à faire. 150 millions, 142, 147. Alors, on va voir ce que ça fait.
Alors, 142 millions. Ah, le ZLR en main cogneur, ok. Le ZTR en connecteur. Là, on a le ZTUR Tech en main cogneur. Le Tanabata et le Vegeta Ozaru en connecteur. Comme quoi, hein, vous n'êtes pas obligé d'aligner ce qui se fait de mieux. Un hein. S parfois fait le taf. Parce que le Goku SG, enfin S+, hein, le Goku ZLR à agilité ici, peut faire office de cogneur principal. Après, les doublons, ça joue. Hein. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Ouais. On va essayer de faire la même chose vu qu'on a droppé. On a droppé, les amis. On a droppé le Talabata 2023. On est beau, on est bien. On est heureux. On a droppé le GOAT. Alors, en main cogneur, on a dit tac, mince, tac, 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 tac. Alors, je l'ai pas à 100%, je crois. Two doublons? Oui, two doublons. Bon, il est un peu nul, hein. Mais two doublons quand même. Bon, après une demi-heure à refresh, on est tombé sur des bancs pas trop mal. Ce premier banc, nous avons le SSJ4 LR, nous avons le Z, enfin le Tanabata, donc ensuite on a le ZLR Agilité à 100%, et le ZR Puissance. Les deux, les trois derniers, c'est pas foufou. Bon, là on a le Tech dans sa forme SSR. Et ça vaut un A. Donc en gros, là, j'ai du S, A. Et les deux derniers, c'est du C. C'est comme pas foufou, quoi. Par contre, en extrême, on est pas mal du tout. Hein. On est pas mal. On a le LR Ozaru. On a le ZTUR Ozaru. On a l'endurance. On a principalement du S et du A. Et les deux Talesu. Les deux Talesu, eux, sont du C. C et D. Donc en fait, le début est très bien et la fin, bon. On fait 100 millions là. Là, on les fait, les amis. Là, si on fait pas 100 millions. Bon, j'espère dropper le Tanabata 2023, le ZR Agilité et le ZR Puissance. S'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On n'avait pas le Tanabata avec nous. J'aurais peut-être dû partir extrême. J'ai pas fait attention sur le banc extrême. Hein. 100 millions quand même. Ça va. 117 millions. 117 millions first try, c'est ça qu'on aime les amis, c'est ça qu'on aime. Voilà. Bim, bim, bim. Merci beaucoup. Voilà, j'ai tout débloqué. Merci beaucoup DBZ de TTF. La family, elle a carry. Ça nous monte à combien ici? Top 6%. Top 8, pardon. Top 8, ça va. Ça va, ça va. De toute façon, on a fait les 100 millions. On va tenter un deuxième essai, vite fait comme ça. Vite fait comme ça. Bon, on a trouvé ça, c'est pas trop mal. Nous avons le ZTR, nous avons l'agilité. L'agilité dans leur forme SSR et TUR. Enfin, le mec, il a monté les deux. Et nous avons le ZTR Tech à 100%. Donc là, en gros, si je peux prendre les deux Tech, plus les ZTUR puissance, et là, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être partir sur l'extrême, parce que l'extrême, on a tout à 100%, enfin quasiment tout à 100%. Vegeta Ozaru, Vegeta Endurance, et le Nappa Vegeta, et on serait pas mal, hein, on serait pas mal. On va tenter extrême. Mais il me semble que c'est moins intéressant. De toute façon, là, c'est le deuxième run. Pas grave si on fait moins. Tant qu'on a fait 100 millions, les amis. C'est bien. Concentration. Tac, tac, tac. Oh, c'est pas mal. Donc, Butoden, c'est B. Nappa Vegeta, c'est A. Et l'autre, c'est S. Ça fait basse. Ou sab. Sab ou basse. Bas. Peut-être bas. Comme score bas. Score nul.
100 millions peut-être ou pas? Ah non. Nous, 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 nous. Bon, ça nous fait 200 millions de runs, ça va, ça va. Il y a pire, les amis. Donc voilà, les amis, bon courage pour le mode de jeu préféré des Français. Le petit. Mon petit banc est à disposition. Bon courage. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous avez réussi à faire combien de scores sur ce Chain Battle face à Babi 2, les amis. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt. Et à ce soir pour la séance de stream. Vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description. A tout à l'heure. Ciao, ciao.